Vous avez besoin d'aide ? Non. Tout est emballé et prêt à partir. En fait, on n'attendait plus que toi. Bon, redites-moi le plan, une dernière fois. On passera pas par les postes frontières officiels. Mais j'imagine que tu le sais déjà. Du coup, on prévoit d'emprunter un ancien tunnel de contrebande. Près du mur. Hé, qu'est-ce qui te prend ? Un tunnel ? Tu m'as jamais parlé d'un tunnel. T'as jamais demandé ? Ça a été galère de le retrouver après toutes ces années. Mais il est toujours là. Plus rien ne peut nous arrêter. V ? Ok, on a le tunnel, mais il faut déjà l'atteindre. Et tu fais quoi de la sécurité le long de la frontière ? Toute la zone grouille de tech. Les drones patrouillent sans arrêt. Et il y a sûrement des véhicules plus lourds aussi. T'inquiète pas. On sait ce qu'ils ont et on sait comment gérer. Et Carole et Cassidy s'arrangeront pour éloigner les corpos. Et on risque pas d'attirer l'attention ? Les douaniers finiront forcément par remarquer qu'il se passe quelque chose. Ouais, mais le temps qu'ils comprennent, on sera déjà très très loin. Et cette tempête arrive au bon moment. Elle devrait recouvrir nos traces. Il va falloir bien plus qu'une tempête pour semer les corpos. Ils ont autre chose à foutre. Mais s'ils en avaient envie, ils pourraient toujours essayer de nous attraper. On leur ferait regretter. Super. Et une fois de l'autre côté, c'est quoi le plan ? On va au point de rendez-vous pour y rejoindre le reste du clan. Ensuite, on ira vers Tucson. Et là-bas, c'est notre terrain de jeu, c'est ça ? On connaît les routes comme notre poche. Et en plus, en Arizona, il y a des gens qui nous doivent des services. Alors même si je voulais, j'aurais aucune raison de m'inquiéter. À partir d'aujourd'hui, t'as plus à tout prendre sur tes épaules. T'es plus toute seule, V. Ça va te changer. C'est moi qui ai une dette envers vous, maintenant. Oh, arrête tes conneries. On est tous dans le même bateau. Et en plus, grâce à toi, on a tiré assez de tech à Arasaka pour construire un putain de porte-avions. Crois-moi, sur la liste des gens recherchés morts ou vifs, on est juste après toi. Allez, on se bouge, avant que cette tempête nous rattrape. C'est bon pour nous ? Ouais. Alors branche-toi, et on se tire d'ici. Ça marche. C'est un nouveau départ. Alors tu dois l'entamer en prenant le volant. Comme une vraie nomade. En gros, tu fonces tout droit, t'évites les gros trous et tu perds pas les autres, ok ? Je vais m'occuper de la nitro. Le jus va partir direct dans les cylindres. Si je la synchronise pas manuellement comme il faut, ça risque de tout faire péter. Ouais, on va éviter. Merde ! Je viens de me rappeler d'un truc. Qu'est-ce qu'il y a ? Le mur frontalier. Quand j'étais petite, il était pas là, évidemment. Mais je sentais que tout était différent au nord. Que quelque chose d'incroyable m'attendait là-bas. Un putain d'avenir radieux. Je crois que je connais la suite. Quand tu t'es retrouvée ici, que t'as vu que rien avait changé. Tu t'es dit que Night City, c'était la réponse, et que tout changerait là-bas. Ouais. Et tu connais aussi la fin de l'histoire. Et je reviens exactement à mon point de départ. Non, c'est peut-être toujours le même endroit de l'autre côté, le même espace. Mais toi, t'as changé, t'es plus la même. Ouais, t'as peut-être raison. Depuis toujours. Alors vas-y, fonce, tout droit, t'arrête pas. Ils ont déployé les drones.
Cassidy. Allez-y. Je vais vers l'ouest et j'active les brouilleurs. Ils m'ont marqué. Je bifurque vers l'est pour les éloigner de vous. Bonne chance, les enfants. On se voit de l'autre côté. La nitro est prête. Dis adieu à Night City. C'est ta dernière chance. J'ai plus rien à lui dire. Nova. C'est vraiment parfait, Panam. On rentre chez nous. Merde. Salut, V. Alors, comment ça se passe dans le désert? Tu fais le plein de soleil et d'air pur? N'oublie pas de faire un contrôle de temps. Plus de temps, j'ai un tas de trucs à faire. Écoute, t'as qu'à reprendre pour matos et forcer quelqu'un.